was just a little boy, Mama used to tell me, you gotta do your best, you just leave the rest. Now looking back, and I think that I can truly say that I give my all, going from day to day. Your love's given meaning to it all now, and I find like sparrows, wheels carry on, and the visions in my heart, the visions of you. De Clessouilly du 3 au 12 octobre 2014 était cette année en partenariat avec le magazine Nos Arts. Cette exposition de peinture et sculpture s'est clôturée par la remise du prix de la municipalité, remis par M. Yves Albarello, maire de Clessouilly. Dans le cadre de ce partenariat, le magazine Nos Arts y a présenté trois artistes peintres, Diane Rocher Kennedy de Saint-Cyr-sur-Loire, Alejandro Rodriguez de Nice et Munto Reinhardt de La Rochelle. L'art est dans le partage. Avant de remettre officiellement le prix de la municipalité, le prix de la ville de Clessouilly, je voudrais remercier Séverine Rouet-Vette, mon adjointe en charge de la peinture, Francine Guillard et Olivier Gilles, nos coordinateurs culturels qui ont réalisé cette année encore un travail remarquable pour nous offrir cette exposition de qualité aidée sur le plan technique par les services techniques de la ville de Clessouilly, que je voudrais également remercier. Maintenant, c'est l'instant de suspense. C'est l'instant où je vais donc délivrer le message qui a été. Et l'œuvre qui a été sélectionnée par la ville de Clessouilly, c'est l'artiste Munto Reinhardt. Les gens comprennent mon art, donc ils ont été touchés.
Donc pour moi, c'est très très important dans mon cheminement. Et puis, voilà. Et puis, Fêtard, le vendredi de 17h à 18h45 sur votre radio RGB 99.2 et sur internet au www.radiorgb.net. Deuxième partie d'émission qui aujourd'hui sera consacrée à un magazine pas comme les autres qui a pour nom Nozar. Fêtard invite Nozar. Vous imaginez, c'était une invitation incontournable avec à la fois Sandrine Morvan qui est toujours la directrice de la publication Nozar, le magazine de tous les talents, et avec ici en studio deux artistes, et nous en aurons deux par insert téléphonique au cours de cette émission. Les deux artistes en studio, on va les saluer sans plus tarder. William Ayeni Jones, auteur, compositeur, interprète. Bonjour. Bonjour. Avec Munto Reinhardt, artiste peintre, avec, je ne sais pas s'il veut qu'on l'enferme dans un style, généralement les artistes n'aiment pas trop, mais en même temps il faut mettre un peu un style sur la peinture, sur l'expression artistique de l'artiste, plutôt de la peinture abstraite. Bonsoir, oui, abstraite. Ouais. Bonjour. Alors, deux artistes en studio, nous aurons également Lada Vdovina, artiste peintre russe, et Diane Rocher-Kennedy, qui est elle-même artiste peintre, mais on va la faire parler aussi d'un livre qu'elle a écrit, qui est sorti en 2010, qui s'intitule « Les carnets d'une bourgeoise déchue ». Voilà au menu de la suite de cette émission. Le concept est vraiment, vraiment très très bien. Hein. Nozar, c'est un magazine qui va lancer des artistes qui ne sont pas reconnus entre parenthèses. Et donc ça, c'est intéressant. Nozar is a magazine that just brings together all forms of art, which is exactly what I love. Super Nozar, bravo. Chapeau à Nozar. Longue vie à Nozar.